La performance d'un athlète, son cheminement, ça commence au dojo de karaté. C'est pas à compétition que ça commence, c'est au dojo. Et qui vous donne le cheminement? L'entraîneur. Qui vous entraîne? Vos coéquipiers. Avec. Okay? Ça fait un tout. Si on performe en compétition, tout se passe dans le dojo en premier. On ne veut pas. C'est bien? C'est pas l'affaire d'une personne, c'est pas l'affaire de l'entraîneur-chef ou du compétiteur. Tout le monde ensemble a un rôle à jouer. Il faut toujours essayer de se maintenir vers le sommet. On pratique ce qu'on a pour progresser. C'est bien? Vous avez fait une compétition dernièrement. Qui veut m'en parler un peu? Moi, c'était ma première compétition, puis il y avait d'autres monde aussi. Je pense que Amélie aussi, c'était sa première compétition. Il y a d'autres qui étaient une deuxième expérience, une troisième. Puis, ben, toute l'ambiance de la compétition, c'est une ambiance où est-ce qu'on se sent confiant, on se sent bien, on se sent en famille, parce que c'est une famille, c'est comme ça l'ambiance du dojo, puis tout le monde se connaît, tout le monde s'encourage, puis ben, moi qui étais ma première expérience, j'ai vraiment aimé ça. Puis toi, je pense que ça avait levé ta main. C'était vraiment bien, puis on pouvait avoir plus qu'un style de karaté. Et il y avait plein de styles, là, plein d'autres karatas. On a quasiment tout rapporté des médailles, qu'est-ce qui était quand même assez cool. Puis c'est ça. Il semble en avoir rapporté quand même plusieurs. Ouais, j'en ai rapporté 6. C'est bien. Qui d'autre veut parler de son expérience, toi? Moi, j'ai aimé beaucoup ça. J'ai été une dimanche cette semaine et une deux semaines. J'ai gagné à Saint-Calix 2 médailles. En combat, c'est médaille d'or. Et en kata, ça a été médaille d'argent. Il y a du monde qui a participé qui n'a pas eu de médaille, mais ils ont participé quand même. Ça a été le fun pour eux. Moi, la compétition qui s'est passée dimanche, j'ai pas eu de médaille en kata, mais j'ai eu une médaille en combat. C'était médaille d'argent. Au fond, le dojo, c'est une famille. Fait que si on irait une compétition sans toutes les personnes, on arriverait à rien. Wow. Moi, j'étais à la compétition de Saint-Calais. Je trouvais ça très gênant parce que c'était la première fois que je faisais la compétition, mais avec un tatami. Puis que tout le monde a été autour puis que tout le monde te regardait. Et que moi, j'étais un peu stressée. Puis quand je suis stressée, je riais. Et quand je faisais mes katas, j'avais un gros sourire dans le ventre. Ben, c'est une belle expérience. La prochaine fois, ça va être encore plus facile. Il faut toujours donner le maximum de soi pour réussir. Ça, c'est comme à l'école. C'est comme dans tout. Le travail par la suite, c'est la même chose. Tu donnes ton maximum, tu reçois le maximum. C'est un travail d'équipe. Puis je pense que tout le monde ici avait mérité d'être là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que, il y a deux semaines, j'ai eu une médaille d'or en combat. Mon père et moi, on a pleuré. C'était la catastrophe, mais moi, je suis vraiment fière de moi parce que c'est la première fois de notre vie que, depuis toutes mes compétitions que j'ai faites, j'ai eu une médaille d'or en combat. Puis je suis vraiment fière de moi. Je trouve que ça a été assez surprenant. Je m'attendais pas à ça. De voir genre tout le monde te fixer pendant que tu faisais tout, ça stressait un peu plus. C'est sûr, j'en ai déjà fait une, mais comme c'était plus que fun. Genre, tu faisais ton kata, tout le monde t'encourageait, ton combat, tout. Puis c'est ça, c'était vraiment le fun. Puis comme Héloïse a dit, l'ambiance était vraiment bien. C'est surprenant de voir ça parce qu'on n'a pas souvent vu ça dans toutes les compétitions. Puis je pense que. Ouais. C'est le fun de gagner des médailles. Je suis fière de moi d'avoir
réussi à battre des adversaires plus hauts que moi. C'était ma première expérience. J'ai vraiment aimé ça, même si j'ai eu une médaille en kata. Puis c'était super le fun parce que sans tout le monde, on n'aurait peut-être pas réussi. C'était ma deuxième compétition, donc je savais déjà à quoi m'attendre. C'était quoi déjà? J'ai aimé ça parce que j'ai pu m'améliorer, si je peux dire ça. J'ai gagné 2 médailles d'or. Puis c'est ça, c'était bien le fun. Moi, j'ai pas fait les 2 dernières compétitions, mais avec leurs commentaires, je pense que c'était quand même une bonne expérience pour tous les compétiteurs aussi. Ouais. Fait que, ben, je voudrais les féliciter pour leur performance.